Et yo tout le monde, et bienvenue sur un nouvel épisode de Pixel Car Racer. Allez, cette fois-ci, on va pas faire de race, on va plutôt faire du loot, puisque j'ai atteint les 150 crates, et que j'ai du coup j'ai 30 tours pour pouvoir essayer de looter quelque chose de sympa. Alors, je vous propose de commencer directement par ça, et après, on va s'occuper de l'ouverture des crates. Allez, go! Autant avoir juste le meilleur turbo du jeu. Ça s'est raté. Rien du tout. Alors, quoi de neuf de mon côté? Eh bien, dans pas longtemps, je vais passer le contrôle technique de Rekapu d'ailleurs. Cet après-midi même, mais bon, pour vous, ce sera pas tout à fait le même jour. Normalement ça devrait être bon, malgré que j'ai quand même une fuite au niveau de l'échappement. On va voir ce que ça va donner. Sinon il va falloir que je trouve un échappement rapidos, ou du moins que j'arrive à colmater un petit peu le trou que j'ai. Sinon, quand je vous en avais parlé, alors j'ai un turbo d'origine que Mika m'a gracieusement passé pour le moment, avant que je l'achète, si tout se passe bien, qui est chez BG Turbo, sur lequel ils sont en train de faire des tests pour savoir si on peut augmenter facilement la puissance et autres. Et en fait, pour le moment, bon, il y a un problème juste avec une partie du turbo, mais ça c'est pas trop grave, ils sont en train de regarder comment faire pour le résoudre. Mais visiblement, ils ont trouvé des ailettes pour pouvoir justement améliorer un peu le turbo. Ce qui ferait qu'elle gagnerait, enfin que le turbo gagnerait entre 10 et 20 chevaux environ. Ce qui est plutôt pas mal. Enfin du coup pour moi je trouve ça même assez énorme pour la taille du turbo. Donc si j'arrive à passer, imaginons 15 chevaux, que je mette, enfin que je trouve un intercooler, parce que là pour le moment c'est le truc un peu compliqué que je dois trouver là. Parce qu'il faut que je trouve un pas grande taille et tout, mais bon j'ai Riku qui m'a aidé, qui m'a donné des références. Pour essayer de voir justement, essayer d'en trouver un. Après il faut que j'adapte. J'ai également vu pour un radiateur un peu plus gros. On va voir ce que ça va donner aussi, parce que bon c'est quand même une sacrée dépense là à la totalité. Donc c'est surtout en fait en fonction de combien va me coûter le turbo, que je verrai les dépenses que je fais derrière. Mais j'aimerais bien mettre le turbo, l'intercooler et tester mon EQ N2 en fait, avec les injecteurs plus gros. Pour savoir si tout est bien et que le moteur se porte bien. Sinon, et bien, du coup, je garderai l'adaptronic que je modifierai justement pour avoir une bonne carto, quoi, hein, quelque chose qui tient la route sans que je puisse abîmer le moteur, parce que je vais commencer à lui mettre des tours. Surtout s'il y a un peu de pression. Voilà. Sinon, donc, pas beaucoup de choses sauf de l'argent pour le moment. Ça serait bien d'avoir un petit turbo, non? Ah, ce turbo là au milieu serait bien, non? Carbone en diamant, non, le turbo? Ou même pas, une petite bombe sympa là, serait cool, une petite couleur sympa. Si tu veux. Hop. Toum, toum, toum. Je suis pas ultra chanceux aux machines à sous, alors. Ce genre de truc là. Ouais. Quoi de neuf sinon? Eh bien. Normalement. Ça va être quoi? Ça va être avril-mai. Dans ce zoo-là, je devrais reprendre la piste. Il faut que je regarde un petit peu ce que je peux avoir comme session de dispo. Donc, moi, je vous en ferai part sur la page Facebook. Ceux qui veulent venir, ou celles et ceux qui veulent faire peut-être un tour de Capou, si ça vous intéresse, faudrait me prévenir et voir. Hein. Ça me fait toujours plaisir d'embarquer du monde, faire découvrir un petit peu ce petit bout de voiture là. C'est assez rigolo. Voilà, voilà. Donc faudra surtout pas hésiter à venir voir ou. Enfin, via la page Facebook, c'est plus simple pour moi. Voilà. Allez, le dernier tour. Eh bien, rien du tout. Alors, on est parti pour le garage. Alors, je me suis acheté une petite GTR aussi, oui, pour faire un peu de temps et tout ça, pour tester d'autres trucs en fait, tout simplement. Hop, allez, on est parti.
Première ouverture. Déjante. Déjante encore. Ouais, dégage. Sunfail, ok. On ira tester tout ça après, bien sûr. Du cash. Ah, les jambes sympa. Oula, Odrod. Ok. Name game. Oh, super celui-là, il va être sympa, je pense, hein, oh, intercouleur. Alors, je sais pas si ça sert en fait à quelque chose ou pas. On verra bien. Thune. Ouais. Alors, on l'a déjà. Police. On est roi. Ah, pour se la péter. Oh, finalement, ça, moi, je les ai achetés, c'est con. Hein. Ah, il y a des trucs que je vais pouvoir revendre. Bah, c'est en double. Ah. Ça, je sais pas ce que c'est. On va aller pouvoir regarder tout à l'heure. Bon, pareil, ça, je vais avoir en double. Les jantes. Encore des jantes. De la thune. Ok. Ok. Ouais. Oh, on peut regarder ça aussi. Ah, sympa. Okay. C'est beaucoup, beaucoup de cosmétiques, hein, comme vous voyez. Hein. C'est pas. C'est vraiment du. Ouais. On vient qu'on chope un petit moteur, un petit truc sympa. Là. D'ailleurs, je me demande si on peut acheter tous les moteurs. Et... Ah, bah tiens. Le LSX, alors qu'est-ce que c'est celui-là? Ouais, allez, on ira pas voir après. Ah, le LSX, hein, c'est bien. Alors, si je l'équipe juste pour voir. Oh! Oh, wow, 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 wow! Du 7,4 litres! Mais comment on peut mettre? Allez, en X, regardez! Ok, je la déséquipe, mais je verrai après. Allez, on continue. Ouais. Les pistons. Ou c'est quoi ça? Bon, on ira voir aussi après. La thune. Un vélo? Ah, mais alors, attendez, c'est pour pouvoir mettre des trucs. Et là, on peut mettre des trucs, ok. Plus. Ok, il en faut. Comment on fait pour changer ça? On met de la télé, mais on peut pas changer d'autre. C'est bizarre ça. Bon, on verra comment on fait. Hop! Ok. Comment ça va durer 3 heures la vidéo? Ah bah c'est bon, hein. Je vais prendre du spoiler à fond. Ok. Des jantes. Ok. Bon, j'espère que vous aussi vous avez été gâtés pour Noël, parce que là j'ouvre du... J'en ouvre hein, les cadeaux de Noël. Hein. Ouais, Wood, je sais pas ce que c'est. Moi perso, cadeau de Noël, ça a été... Pas été ultra gâté, mais j'ai eu des chocolats, et ça... Ça c'est terrible. Alors, moi je suis... Oui, si jamais un jour vous voulez me faire un cadeau, chocolat, passe parfait. Ouais. Ah, LSX, mais c'est encore le même. Parce que LSX, c'est le... On est d'accord que le LSX, c'est le... Alors, le LSX, je vais voir. Ah non, c'est pas celui-là, c'est pas le plus gros. Le LSX, c'est pas le FX. Enfin, le fixe, ok. Bon, bah, on continue. Hop! En tout cas, j'en ai deux. Je pourrais équiper deux véhicules. Ah, la SIC Orange. Alors, il faut savoir que ces pneus-là, en fait, ce qu'ils font, c'est que quand vous... parce que moi, j'ai acheté des bleus. Quand vous restez appuyé pour chauffer vos pneus, donc du coup, vous faites un burn,
ça fait un nuage en fait de la fumée qui est de la couleur des roues. C'est un peu plus stylé. Ok, un kit. Alors allez, jeter un œil après, ça va être cool ça. Oh. Donc j'aimerais bien qu'il y ait une suite quand même au jeu et tout. Bon là peut-être qu'avec le moteur je vais pouvoir aller chercher du coup le un temps de fou quoi. Et du coup je vais pouvoir faire le dernier niveau. Je sais pas si ça débloque quelque chose. On verra bien. Voilà, avec 3000 chevaux, je pense la capou va s'envoler quoi. Je vais y mettre des ailerons quand même, mais bon. Il y a moins qu'elle décolle un petit peu quand même. Eh ben, j'aurais quasiment fait 1 million 5. Oh. Oh, c'est bien ça, c'était super bien. On va aller voir ce que c'est ça. Après. C'est des trucs qu'on peut mettre ici dans le garage ou dehors, je sais pas. Ok, Watanabe Silver. J'aime bien, elles sont sympas ces petites lampes là. Un SR20. Je mettrai ça peut-être dans une autre voiture. Watanabe Black. Oh, ça va être sympa ça. On va mettre des waifus sur certaines voitures. Hop. Et là, on en a déjà fait 100, il en reste encore 50. C'est un peu long la vidéo. Allez. Ok. Ok, je fais juste une petite pause, je reviens tout de suite.